Dans l'épisode d'Un si grand soleil du vendredi 21 juillet, Louis se rend sur les anciennes terres de son grand-père accompagné de Ludo et Noémie. Il espère que leur association pourra faire quelque chose, mais maintenant que le chantier a commencé, cela paraît compliqué. Ils vont toutefois essayer de bloquer les travaux en déposant un recours. Ludo sollicite donc l'aide de Margot qui accepte de vérifier si le permis de construire est en règle, tandis que celui-ci va surveiller si le projet tient la route écologiquement. Si Margot repart bredouille, Ludo, lui, a peut-être trouvé la solution. Il a vu qu'une partie du terrain était répertoriée comme étant une zone de nidification de la fauvette à lunettes, une espèce d'oiseau menacé. Selon Margot, cela peut être suffisant pour contester la modification du plan local d'urbanisme. Avant de saisir le tribunal en référé, celle-ci va en discuter avec Claudine. De son côté, l'avocate était au restaurant avec François quand Milo Pelletier les a rejoints. Celui-ci a été engagé comme promoteur par la foncière Homef 34 pour s'occuper du chantier. François veut donc s'assurer qu'ils puissent travailler main dans la main compte tenu de leur passif. Claudine assure à Milo que, cette fois-ci, tout se passera bien. De retour au cabinet, elle ne peut s'empêcher d'informer Johanna que la foncière dont ils défendent les intérêts a choisi Milo comme promoteur, et que celui-ci risque donc de se rendre fréquemment au cabinet. Johanna se sent trahie. Elle lui rappelle que Milo est un manipulateur et que ses manigances leur ont coûté 1 000 000 €. Claudine rétorque alors que Johanna avait la charge de ce dossier et que, par conséquent, si est-elle la responsable de cette perte d'argent. Baker veut faire tomber Laurent Geoffroy alors qu'il se balade, Maëva interroge Robin sur sa réaction de la veille quand Louis l'a informé que Marc travaillait avec sa mère. L'adolescent lui révèle alors qu'ils ont eu une histoire récemment. Cela n'a pas duré mais ses parents ont failli se séparer. Robin lui assure toutefois qu'il a pris du recul par rapport à cela et que si leur collaboration peut permettre de mettre toute la lumière sur la mort de Vincent, si est-il le plus important. De quoi toucher son interlocutrice qui semble troublée par Robin. Au même moment, Marc s'empresse de rapporter sa découverte à Baker. Clément comprend pourquoi Geoffroy a tant insisté pour qu'il poursuive l'expulsion. Maintenant, ils doivent réussir à prouver que ce dernier se fait graisser la patte par le patron de la foncière. Pour cela, Baker missionne Manu qui met Alex dans la confidence afin de bénéficier de son aide. Au commissariat, Aline Roux reçoit Thierry pour lui annoncer que le juge Laplace a décidé de lever sa mise en examen. Il ne sera donc pas poursuivi pour destruction de preuves mais il écope tout de même d'une suspension administrative pour une durée de 15 jours. Thierry est soulagé, il s'attendait à pire. La commande de l'IGPN en profite pour l'interroger sur le comportement de Baker lors de l'expulsion. Si Thierry ne le porte pas dans son cœur, il affirme en revanche qu'il n'a rien à lui reprocher sur ce sujet. De son côté, Alex a passé la journée à filer Geoffroy. Il informe Manu qu'il a un train de vie qui ne correspond pas à son statut de fonctionnaire. Manu est déterminé à le coincer.